Et que vive l'honneur. Les joutes verra s'opposer Patrick Godefroy de Gignac et Jean Pestan à la robe verte et violette. Messire Chevalier, la lice est à vous. Passage. Quelle impétuosité! Oui! De ces cavaliers d'exception. Serre le touche et le cheval tombe, oui. Jean-Marc de Cornéillon va-t-il gagnant de cette deuxième loupe par abandon. Président Chevalier. Trincavel. Il s'agit, vous l'avez sans doute reconnu, du chevalier Félon, qui n'accepte pas les... Ici, c'est une joute courtoise pour l'honneur. Eh bien, puisqu'il en est ainsi, je vois... que l'honneur de ces joutes courtoises est préservé grâce à notre chevalier. Acceptez la règle! Vous devez accepter la règle! Lui est conspué, ce chevalier félon qui ne respecte pas! Ici, c'est un tournoi pour le plaisir, une joute solennelle! Nous devons respecter les règles de la chevalerie à la française! Thank you.
épargnez. Vous avez vous prêté serment. Vous n'êtes... Non, épargnez votre adversaire. Cavalier qui, dans des conditions difficiles, vous ne vous pouvez pas imaginer combien il est difficile pour un cheval de travailler lorsqu'il y a du vent. Cela les rend nerveux, mais bravo. Alors, tout d'abord, Godefroy de Gignac, c'était Patrick. Et il montait avec brio un superbe Lusitanien de 10 ans, Luc, qui montait Fuego. Un Lusitanien, Paola, un Espagnol de 11 ans. Un tout jeune Espagnol, extrêmement fougueux, de 5 ans, qui fait ses débuts dans le spectacle. Il ne faut pas oublier notre mousse Mohamed, de 9 ans, du nom de Gardian. Et je crois qu'en musique, vous avez droit à un tour d'honneur. Et il reste une présentation, c'est celui qui demain n'aura plus de voix, notre maréchal de lice, Jean-Paul Dallès.